Giroud, l'emblématique entraîneur de l'Auxerre France, révèle dans un entretien accordé au quotidien sportif français l'équipe avoir sauvé la carrière d'Eladjdif, double ballon d'or africain 2001 et 2002. Un jour de Paris-Roubaix, une célèbre course cycliste, NDLR, j'ai sauvé la carrière d'Eladjdif, ici, lors d'un match de cadets nationaux contre Sochaux. J'étais sur le bord du terrain à l'observer. Et devant moi, il commet une faute, prend un carton jaune et dit des mots à l'arbitre, qui lui met un carton rouge, raconte le consultant de télévision, ancien entraîneur. Il se fâche et je vois qu'il va sauter sur l'arbitre. Je bondis sur le terrain et le serre contre moi. On est allé dans mon bureau. Je lui ai mis une serviette mouillée sur la tête, j'ai allumé la télévision et on a regardé ensemble la fin du Paris-Roubaix, ses souvenirs roux, vainqueur de la Coupe et du Championnat de France en 1996. L'ancien technicien d'Auxerre n'a jamais dirigé l'Auxerre, qui a évolué à Sochaux, Rennes et au RC Lens avant de poursuivre sa carrière en Angleterre. Giroud a été, en revanche, entraîneur de ses coéquipiers en équipe nationale, Hamdi Faye et Kalilou Fadiga, au début des années 2000. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour avoir des infos à temps réel.